C'est l'histoire d'un petit garçon de 6 ans qui ne savait pas encore que son rêve était de monter sur une scène. Passe-moi la télé ! Mais non, pas au piano ! C'est l'histoire d'un jeune homme de 23 ans dont le sort était de caresser 88 touches d'ivoire et d'ébène en jouant ses propres compositions. Chambre avec vue. C'est l'histoire de la naissance d'un artiste d'exception. Nous allons vous raconter l'histoire du fabuleux destin d'une tortue nommée Christophe Willem. Et autant vous le dire tout de suite, vous n'êtes pas à l'abri d'être emballé. La nouvelle star de cette saison est... Juin 2006, devant plus de 7 millions de téléspectateurs, Christophe Willem devient la nouvelle star. Je voudrais remercier en tout premier, en fait, le jury, qui la première fois que je l'ai vu m'a fait confiance directe. Et donc si on est là, c'est grâce à eux, donc merci, mais merci beaucoup. Je voudrais remercier le public qui, dès le début, m'a soutenu. Merci. Merci à vous tous. Merci. Toutes les semaines, au cours des 2 mois et demi qui ont précédé, il a enchanté la France par sa personnalité, son charisme, sa modestie et son talent. Jamais un candidat issu d'un télécrochet n'avait autant passionné un public. Jamais personne n'avait autant enthousiasmé un jury. C'est un virtuose, mais qui fait ça simplement. Jamais l'ensemble de la presse n'avait été aussi unanime. Quand il y a un talent comme ça qui arrive, que ce soit Voici, Les Inrocks, Le Monde, ou je ne sais qui, t'es obligé de reconnaître ce talent. Non seulement il a une voix, mais en plus il prend la lumière dès qu'il arrive. Et toute la lumière, c'est-à-dire qu'on ne voit que lui. Il y a tellement de facilité, c'est comme Fred Astaire quand il danse. C'est un héros sympathique, il est positif. Et pourtant, chose incroyable, Christophe ne voulait pas participer à la nouvelle star. Nous sommes à l'automne 2005. Diffusion sur M6 des appels à candidature pour la 4e saison. Devant son écran, un chanteur amateur, Christophe Willem. Nouvelle star repart sur les routes de France et de Belgique à la recherche des futurs talents de la chanson française. J'étais chez Elisabeth, ma pote folle dingue. Et donc chez elle, elle n'arrêtait pas de me dire « Ouais, je comprends pas, pourquoi tu essayes pas de passer casting et tout ?» Ça pourrait être intéressant au moins d'essayer. Voilà. Et puis elle insistait. Donc j'ai été voir un jour sur le site internet d'M6, de la nouvelle star pour le coup, et il n'y avait plus de place à Paris. Donc je me dis « Bon, ça c'est un bon signe, ça veut dire que c'est pas pour moi. » Et donc j'appelle ma sœur, je raconte le truc vite fait et tout. Et je sentais dans la voix qu'elle prévoyait le coup de Toulouse. Donc je me suis dit, la seule solution, il ira jamais lui-même parce que, contrairement à ce qu'on voit, il est timide. Je l'ai inscrit là et puis il a été et voilà. Je suis arrivée un week-end chez eux et que le week-end, elle m'a dit, bon bah demain, on va à Toulouse. Et je me suis retrouvée au casting le lendemain. Quand il est parti au casting, il était décontracté, il s'était couché hyper tard, on en avait parlé. On est parti presque à la bourre même, en retard. On n'avait pas du tout repéré avant. Il avait mis son fameux pull, il n'avait pas du tout réfléchi. J'aimais vraiment bien les membres du jury, je me disais ça va être intéressant de les rencontrer. Donc j'y suis après dans l'idée de me dire, c'est bien, quoi qu'il arrive, d'au moins les rencontrer une fois et avoir un avis de gens vraiment professionnels là-dedans. Et on a vu arriver du derrière le panneau blanc la tête d'un gars, mais vraiment d'abord sa tête, un peu stupéfait de nous voir en lumière, et puis un pull à rayures. Vous vous appelez comment, jeune homme ? Christophe. Vous avez quel âge ? 22 ans. Et vous allez nous chanter ? Strong Enough de Désolé.
Quand vous voulez. J'étais sûr que c'était une casserole. Bon, ben on va le traiter comme tous ces candidats. On va essayer d'être gentil. Mais si on peut l'accrocher au passage et surtout le dégager et lui dire que vraiment, c'est pas possible. Et il s'est mis à chanter. Try to take your soul off mine, but you won't let them. Never we a destiny outside your smile. Et là... You know you've tried, oh yeah. Are you strong enough for love? Are you strong enough for peace? Are you strong enough to die? And tell me why. I'm strong enough for you. Are you strong enough for me? Cause down, down in the city, yeah. Merci beaucoup. C'est rare, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à écouter de la cappella depuis ce début de cette quatrième année. Donc j'ai pas besoin d'écouter une autre chanson. Moi non plus. Je trouve ça super bien, je dis bravo. Vous savez pourquoi, oui. Vous savez pourquoi je rigolais? Parce que j'ai l'impression d'une tortue quand vous rentrez. Le gars qui a un cou trop long, puis qui avance avant lui, puis je mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce machin, ce schtroumpf à rayures, là. Et tout d'un coup, il chante des rires, puis vous chantez du tonnerre, quoi. C'était très, très étonnant, donc c'est un grand oui. Oui, oui, Manu. Christophe, dès l'instant où vous commencez à chanter, vous êtes habité, c'est-à-dire que ça s'allume de partout, et ça swing de partout, les yeux s'ouvrent, les membres, ouais. Tout prend sa place. Vous êtes complètement dedans et vous faites un plaisir immense. Et vous donnez tellement plaisir que vous nous donnez du plaisir. Donc c'est un vrai kiff. Alors, donc nous, c'est oui. Nous avons donc trois oui, auxquels va s'ajouter un quatrième oui, avec une mention spéciale pour un look lo-fi, c'est-à-dire plutôt super minimaliste, effectivement, mais qui peut atteindre les sommets de la branchitude, surtout quand vous avez une voix de diva avec un swing excellent. Bravo, jeune homme, et un rendez-vous. Bravo, Christophe. À Paris. Merci. Printemps 2006, la quatrième saison commence, et la question des gens qui nous croisent dans la rue, de nos familles, nos amis, nos voisins, c'est quoi ce type? Mais c'est qui ce mec? C'est quoi ce truc? Mais comment il chante? Ce type, c'est Christophe Willem, né le 3 août 1983. Un showman dans l'âme depuis son plus jeune âge. Sa première scène, le salon de la maison familiale à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. Christophe y fait aussi des duos piano-flûte à bec avec Sandrine, sa sœur aînée, brune à l'époque. Un jour, il m'a sorti qu'il voulait jouer du piano. Ah, je lui ai dit, bon, ben, c'est très bien de jouer du piano, mais est-ce que tu veux en jouer pour toujours ou juste pour un an, faire un essai, tout ça? Sinon, soit je loue un piano, soit on achète un piano. Il dit, non, c'est pour toujours, on achète un piano. J'avais une prof en bas de la rue. Mais elle était sévère. Non, mais elle était sévère, mais bon, elle était bien. Elle avait vu qu'il était doué pour le piano, et elle, c'était le piano classique. Et je pense que Christophe, le classique, ça l'est pas. Parce qu'elle était... En fait, elle lui coupait les ongles. Elle me coupait les ongles, déjà. J'arrivais avec un ongle un peu trop, elle me coupait les ongles, parce que je voulais pas que j'allume son piano. Le ciseau, c'est... Mais bon. Et il a voulu abandonner. On change de professeur, on fait ce que tu veux, mais tu m'as fait acheter un piano, le piano est là maintenant, il faut que tu continues. Yeah. On a négocié, oui, il a continué. Il voulait faire une... Il s'était engueulé justement. À cause de ça, c'était énorme. Moi, je m'en fous, je m'en vais. Il a commencé à partir en bas de la rue, mon père qui n'a jamais couru. Il courait en chaussons dehors. Moi, j'ai dit, mon frère, il va partir, mon frère, il va partir. Et je crois qu'il s'est pris une claque, peut-être... Non, c'était pas qu'il se bat, je crois. Finalement, Christophe n'abandonnera pas le piano. Celui-ci trône toujours dans le salon de ses parents. Quelques années plus tard, il prendra des cours de chant. Désormais, le piano lui servira uniquement à s'accompagner. La première chanson, où ses mains se joignent à sa voix, c'est « Summertime » de George Gershwin. Summertime. Et étant voisin, on l'entendait, toujours la fenêtre ouverte, donc l'été particulièrement, c'était génial parce qu'on entendait, je t'assure, on t'entendait chanter, Christophe. Caroline, c'est l'ex-voisine de Christophe et l'une de ses meilleures amies. Elle habitait à côté, là, pendant des années. Ça et après, c'était pas facile pour toi. Non, c'était pas simple. Jours, mais bon. Et après, on a fait toute notre scolarité ensemble. pour ton plus grand bonheur. C'est ça. Donc voilà, donc ça, c'est la morue. C'est trop
On avait une carrière artistique, on a fait une tournée mondiale il y a 15 ans. dans la rue de Deuil. Voilà, dans la rue des Granges, voilà. Et donc on faisait de grands spectacles avec des effets spéciaux. Énorme. Vraiment énorme. Désiré, c'était quand même que les gens écoutent. Le problème, c'est que la moitié des gens s'endormaient. donc ils se mettaient en colère. C'est un seul berger allemand, c'est Christophe déjà qui donne toujours l'idée du spectacle. C'est toujours lui, l'instigateur. Alors, t'as intérêt à suivre sa ligne de conduite, sinon c'est même pas la peine. Hyper exigeant, il peut vraiment... être intransigeant dans certains trucs. C'est bizarre, ça me ressemble. C'est pas du tout. L'intransigeance et le perfectionnisme de Christophe en matière de performance scénique, ses camarades de terminale vont aussi l'éprouver. Donc nous quittons Deuil-la-Barre pour aller à Montmorency, dans le 95. Où était mon lycée? Le lycée Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est un lycée où j'ai été élève et j'ai été pion juste après. Là c'est à droite. On est devant. Le lycée. Là il y a une place là. Ah, faut passer derrière. Et donc c'est là que j'avais une prof de communication qui s'appelait Colette Christiane, que j'aimais bien. Bonjour. Ça va? Très bien. Bon. Donc c'est Claudie. Hein, c'est ça. Toujours. Donc prof de communication au lycée de Montmorency. C'est ça. Tout à fait. Et c'est grâce à ce professeur de communication que Christophe donne et organise son premier concert caritatif. L'idée est de collecter de l'argent pour une œuvre humanitaire dans le cadre d'un projet que doivent réaliser les élèves de terminale STT. Christophe va se porter volontaire pour être chef de projet, mais à ses propres conditions. Il dit, si les élèves veulent bien, moi il n'y a pas de problème, je veux bien monter un groupe musical, mais la seule et unique condition... c'est que les élèves qui s'engagent, alors déjà, les règles, tout à fait. Ah ouais, déjà. Si les élèves s'engagent, adhèrent au projet, il faut qu'ils soient là toutes les semaines pendant une heure. Les autres élèves vont accepter. Tous les jeudis, pendant une heure, il y aura donc répétition et aussi quelques grincements de dents. La chanson c'était Glory, glory, alléluia, since I lay my burdens down. Since I lay my burdens down. C'était ça, la chanson. Donc, il fallait tout carrer. Donc, il y avait une voix. Attends. Il y avait une voix qui faisait Glory, glory, alléluia. Ce que je viens de faire. T'en avais une autre qui était là. Glory, glory, alléluia. Since I lay my burdens down. Qui était donc au-dessus. Et t'en avais une autre qui était là. Glory, glory, alléluia. Since I lay my burdens down. Mais les élèves qui n'avaient jamais chanté, qui ne connaissaient pas Christophe, quand ils l'ont entendu, alors là, les élèves, à un moment, ne voulaient plus chanter parce qu'ils se sentaient vraiment incapables. Non, mais c'est vrai, ils ont vécu ça difficilement. Oui, mais j'étais bien décoincée. Oui, mais toi, tu étais très exigeant. Ah, oui. Continuellement, tu leur disais, ça ne va pas, vous n'avez pas travaillé. Genre, ils revenaient, c'est quoi ma note? Donc, c'est toi qui m'énervais. Et lui voyait l'échéance arriver. Donc je paniquais, parce qu'en même temps, on me disait, attends, si ça foire, elle m'a fait confiance, on m'a fait confiance, et ça foire, la honte. Alors, pour que ce soit réussi, Christophe va prendre les choses en main. Je dirigeais, mais tout, j'étais là, mais partout, même moment. L'accueil du public, la disposition de la salle, le décor, les lumières, la mise en scène, Christophe ne laissera rien au hasard. Si l'ensemble, le packaging est beau, si le contenu... t'as des fausses notes, surtout comme ça, ça choque moins que si tout est pourri et que tu chantes mal, c'est juste atroce. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour lui, le concert ne pouvait être qu'une réussite. Il allait donc faire le show. Ce jour-là, c'est lui le boss et il est partout. Sur le côté de la scène, tout d'abord, seul au piano, dans une chanson des Beatles. The long and the road,
On le retrouve aussi au milieu de la scène avec le groupe. Grand succès pour Christophe, qui a droit à des applaudissements nourris. Reste maintenant à savoir si ses coups de gueule ont porté leurs fruits auprès de ses choristes. Nouveau plébiscite du public, l'entêtement et le quasi-despotisme de Christophe a fait du concert un succès. Ses camarades ne lui en veulent pas. Bien au contraire. Christophe, la poésie n'est pas mon fort, car ceci n'est pas ma vocation. Mais pour mon Christophe, j'ai fait un effort. Alors je te demande de la compréhension. Toutes ces phrases bien timides pour te dire merci. Et comme dirait Candide, tu es notre messie. Ce spectacle n'aurait pas eu lieu. Voilà. Le spectacle rapportera 2000 francs à l'association caritative et deux jolis pulls à Christophe. Mais malgré le succès et son talent déjà reconnu, il ne se lance pas dans la course au casting. On va pourtant venir le chercher. Après le lycée, j'ai fait une fac de droit à Villetaneuse, c'était. Pendant que j'étais dans cette fac de droit, j'étais toujours dans une chorale gospel. Et il y a un gars qui venait me voir et me dit « Oui, on fait le casting d'un film et tout. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans E-Live. Ça m'est bien égal de changer de vie demain. Dis-moi que c'est rien. Alive, une comédie musicale avec Richard Anconina et Maxime Nucci, ici sur ces images. C'est sur le tournage que Christophe a rencontré la chanteuse Jennifer. C'est Maxime qui l'a entendu chanter et qui a voulu absolument que ce mec participe à ce film et qui s'est battu parce que il avait un physique. Qu'est-ce que t'as ? T'as eu comment je danse, on dirait piqué. Mais non, c'est cool, ça ira, ça roule. Il était vraiment dans sa coquille, quoi. Il arrivait au casting, il avait pas envie d'y aller déjà. Non, mais là, je le sens pas du tout, ça va pas, là. Puis, il a fallu y aller derrière pour le faire participer à ce film-là. Parce que Maxime voulait pas le lâcher. Il a dit, c'est un ovni, ce mec, je ne le lâcherai pas. Je vais le convaincre à faire ce film. Ça m'est bien égal de prendre un nouveau chemin. Ils l'ont toujours appelé l'ovni. Bon, c'est vrai qu'après la maison disque, ça a pas suivi en même temps. En même temps, il amenait pas de la super bonne musique. C'est ça. Mais ça a été une expérience, je pense, live maintenant. Tu vas y arriver. La seule chose que je te demande, c'est quand tu chantes, tu la regardes et il faut que tu aies l'air amoureux, c'est tout. Mais ce petit rôle ne mènera Christophe nulle part. Allez, vas-y, tu vas y arriver, je te dis. Il n'y arrivera jamais. Hein. Pour moi, c'était inconcevable qu'il perce pas. C'est donc grâce à la nouvelle star qu'enfin Christophe va percer. Quand on l'a vu arriver à Baltar la première fois, il a tellement chopé les lumières, il a juste tué tout le monde. Et ça, personne ne le savait et lui ne savait pas non plus. Il a commencé qu'il était showman à ce point. En haut quoi. Du grand escalier. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, Marianne. C'est en haut du grand escalier. On disait il y a un formatage, voilà, pour réussir, il faut ça. Et bien, ce qui est génial, c'est que Christophe est tout le contraire de ce qu'on dit. Et il a été aimé par les ados, par les adultes, par ma grand-mère, ma mère, ma tante, ma nièce, ma cousine, tous les âges. Donc, c'est une leçon dans ce métier, il n'y a rien d'écrit. Et ce qui est magique dans la musique, c'est que rien n'est écrit d'avance. Tu es déjà un grand artiste. Sonny, la première chanson que Christophe a chantée à Baltar, devient son premier single et se classe troisième des ventes. Juste devant lui, les chansons sur Zidane, Coupe du Monde oblige. Quant à la presse, elle ne tarit plus d'éloges. C'était vraiment la tortue qui allait avec ce jury-là, quoi. Donc je pense qu'il y a eu une cohésion parfaite. C'était...
Je sais pas, c'est comme quand la comète de Halley passe tous les 100 ans. Christophe, il a pété tous les registres qu'on attend de la télé-réalité pour amener ça ailleurs, et c'est ça qui est intéressant. Il peut changer d'apparence et de registre et nous aime nous voir à chaque fois. Une étoile, quoi, disons. Sa personnalité, à la limite, je m'en fous, quoi, vraiment. Let's dance, let's chase for love. Yes, it's my let's chase for romance tonight. Après deux mois et demi où son rêve est devenu réalité, il est maintenant temps pour Christophe de voler de ses propres ailes. Il va pouvoir enregistrer son premier album. Mais avant de débuter une carrière solo, la nouvelle star 2006 va aller en région à la rencontre de ceux qui ont voté pour lui. Première étape, au Sable d'Olonne. Nous sommes le 1er août 2006. C'est la première date de la tournée des 6 derniers finalistes de La Nouvelle Star. Bonjour et bienvenue en Vendée. C'est la voix off. C'est voilà. Bonjour la voix off. Premier concert et première vraie confrontation avec ses fans. J'aime tout chez lui. Il est beau, il est gentil, il chante super bien. Il prend au trip, vraiment. Comme Balavoine savait le faire. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un chanteur comme ça. Smile at me, Lily. In a pain. The dark days are gone. And the brighter day. My sunny won't shine. Dans la voiture, dernière répétition pour ne pas décevoir ceux qui l'attendent. Sunny won't so true. Another year. Derrière les grilles, ils sont là depuis des heures. Avant même de monter sur scène pour régler le son, c'est vers eux que Christophe se dirige. Mais il n'a que quelques minutes à leur consacrer. Merci. Ce qui est frustrant, c'est que les gens ont envie qu'on aille leur parler, mais que quoi qu'il arrive, on va parler à 5-6 personnes, on va parler à tout le monde. Merci pour le message. De rien. On fait 3-4 autographes et voilà. C'est la forme ? Ça va. Donc ça fait genre, on arrive, on joue les stars et on s'en va. C'est ça qui est dérangeant. Pourquoi tu viens pas en Bretagne, Christophe ? On est obligé de venir jusque-là. Ah bah alors là, faut demander aux autres qui vont la tournée. Mais c'est sûr, c'est nouveau. Ça m'arrivait pas l'année dernière en allant à la fac avec ma sacoche, quoi. C'est un petit peu le... Comment te dire ? J'attends l'album avec impatience. Ouais, vivement l'album, c'est clair. Les fans sont impatients. Mais pour l'instant, il faudra qu'ils se contentent des titres qu'ils connaissent déjà. Aux répétitions, ils sont déjà des centaines à avoir déserté la plage pour venir apercevoir et approcher celui qu'ils ont élu leur nouvelle star. Quant à Christophe, grâce à cette tournée, il va prendre conscience de l'engouement qu'il suscite. Mais sa principale préoccupation, c'est son album. La tournée me stressait parce qu'on n'avait pas avancé sur l'album et je me disais, je vais perdre 15 jours de travail sur l'album et 15 jours sur un album, c'est énorme. Et en tout cas, ce sera un album qui sera pas lisse avec beaucoup de choses différentes dedans. Voilà. Ce serait peut-être plus début décembre, voilà, tout début décembre. Christophe a donc moins de 4 mois pour faire cet album. Ah ouais, là on bosse dessus, là. D'ailleurs, le fait de faire la tournée, vraiment là on est en pleine tournée. Je suis un peu paniquée parce qu'il y a juste des gens autour de la voiture. Et il y a une équipe qui est en train de me tourner au même moment. C'est un petit peu là. Merci beaucoup. Et c'est prêt. On y va.
Attendez deux secondes. Merci, à tout à l'heure. Les fans l'ont libéré. Après de longues minutes d'attente, merci, la discussion sur l'album peut donc reprendre avec son interlocuteur. Allô ? Vous êtes encore là ? Moi, j'ai cru que vous avez perdu en cours de route. On me met aucun frein pour vraiment rencontrer les gens que j'ai envie de rencontrer, ceux qui ont envie bien sûr de travailler avec moi et de faire le style musical que j'ai envie de faire. Donc, c'est d'ailleurs même peut-être le fait d'avoir cette liberté-là qui fait que je m'en mets beaucoup en question à savoir si c'est vraiment ça que je veux faire. Voilà. Une interview décousue au téléphone, notre voiture immobilisée par des fans, sans parler de son premier concert dans 2 heures, rien ne semble pouvoir perturber la zénitude de notre tortue. Parce que d'un autre côté, c'est complètement zen attitude par rapport à Angoisseland, qui est le travail de l'album. Donc tout ce que je peux faire à côté de l'album, ça me semble tellement zen que, en fait, oui, je suis zen. On va manger, on a faim. Là, il est l'heure et après on va aller au concert. Tout simplement. Donc douche, bouffe, concert. C'est surtout l'effet Christophe qui rend le public hystérique. Concert au sein de la tournée Nouvelle Star et premier choc pour Christophe, la ferveur qu'il déclenche au sein de son public. Du coup, le départ du site devra se faire sous escorte policière. C'est là, lui. Oh putain! On a bien travaillé, on est bien fatigué. Alors, bravo! Let's do it. 3 août 2006. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est l'anniversaire de Christophe. Enfin, anniversaire ou pas, la tortue n'est pas du matin. Notre tortue supersonique a la tête dans la carapace. Une seule solution, se recoucher. Pourtant, le soleil, lui, est levé depuis déjà bien longtemps. Il est 11h06. Ah, la voix fait venir une femme aujourd'hui. Et voici une autre présence féminine en ce jeudi matin avec un petit déjeuner au lit apporté par une employée de l'hôtel. On n'a pas tous les jours 23 voilà, ans. Alors voilà, c'est exceptionnel. Jamais de ma vie, ça m'arrive, je suis toujours levé ou je suis toujours là-bas. Juste ce jour, il y a une caméra, je lui arrive ouais. Là, le truc. Oh, hé hey, un pas pipé là-bas. On a du mal à se mettre assis. Bah, ouvrez rideau, maman. Ah bah si, la voix off. Moi, je peux pas me lever. Rapport au matin, rapport à un problème que beaucoup de garçons ont, si tu veux ce que tu fais. Donc, c'est pas possible. Ah là là. Allô?
Oui, ah bah c'est ma grand-mère. Oui. Ah bah merci. Bah merci. T'es déjà réveillé. D'un autre côté, à 11h15, c'est un peu normal. Oh, on a un temps exceptionnel, ma fille noire. Oui. Ma grand-mère. Il me souhaitait bon anniversaire pour que je meure, parce qu'il n'est pas encore 14h20. Christophe est donc né à 14h20, c'est sans doute la raison de sa légère inertie avant le début de l'après-midi. En même temps, quand on le connaît, hein. Ce soir, la tournée Nouvelle Star est en Vendée, à la Tranche-sur-Mer. D'ici là, Christophe aura donc le temps de bien se réveiller et de rassembler avec méthode ses petites affaires. Exceptionnel. En tortue. Je me suis coupé les ongles. C'est ça qui m'a retardé. Les finalistes ont rendez-vous pour déjeuner dans un restaurant près de la plage à 14h30. Christophe sera donc, a priori, en pleine forme. Alors, je présente ma femme. Ah, voilà. J'en ai vous la présenter. J'en ai deux, oui. J'en ai une quand je vais en Angleterre. Ouais, il en a pas mal, une en fait. En France. En fait, il a... en fait derrière sa petite carapace, en fait, c'est un vrai coureur de jupons. Si on fait des bébés, on leur met rien de côté. Oula. Oula. Quand j'arrivais en fait. Ah, merde. Ah, c'est vrai que tu peux pas. Bah, non. Mais ça, il faut pas le dire, ça. Non, on peut pas le dire, je suis impuissant. Et moi, j'ai plus d'utérus, alors. Toutes nos excuses. Enfin, ça y est, Christophe, bien secondé par Valérie, et donc, selon l'expression consacrée, au taquet. Si nos nouvelles stars sont sur cette terrasse, ce n'est pas seulement pour faire de l'humour douteux, mais pour une séance de dédicace. Certains vont en profiter pour offrir à Christophe un cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Ouais, je l'ouvrirai tout à l'heure. D'autres sont venus en famille simplement pour lui dire leur admiration. Bah, c'est une star. Non, il n'y a pas d'autre mot, c'est une star. Je trouve que c'est le dieu de la chanson parce qu'il s'adapte à toutes les chansons. Donc, c'est une tortue, mais en même temps un caméléon, je trouve. Je peux vous dire qu'à 20h ce soir, on sera. On va essayer même d'aller de bonne heure pour être devant, pour le voir vraiment chanter. Ouais. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée. Nous sommes à 3h du concert et des places de devant sont déjà solidement occupées par celles et ceux qui, en ce jour anniversaire, ne sont pas venus les mains vides. Merci. Félicitations pour ton parcours, nous te souhaitons bonne chance pour ta carrière, qui nous en sommes sûrs sera très longue. Amitié, Nadia, 35 ans. Bonne chance pour la suite, gros bisous Marine, 11 ans. Tes chansons passent en boucle à la maison, ma fille Camille, âgée de 3 ans, est folle de toi et connaît tes chansons, elle dit que son amoureux c'est Christophe. Je t'adore, tu chantes trop bien, t'es trop délirant, on doit bien se marrer avec toi, j'aimerais trop te connaître davantage, c'est pour ça que je te laisse mes coordonnées. Bisous ma petite turtle, c'est mignon. 4 ans et demi. Non, mais quoi. Les parents de Christophe ont eux aussi fait le déplacement pour venir voir les premières prestations live de leur fils prodige. Attention. Oh non, c'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible. Hein. Mais c'est possible. C'est juste pas possible. C'est possible. Bon, allez, hop, tout le monde descend, ouvrez-moi ça. Je suis un petit peu émue de le voir autant public. Mais je suis très contente pour lui parce que je pense que ça lui manquait quand même. Oui, très content, très content. Très fier et très content. Mais avant d'entrer en scène, on sent Christophe anormalement nerveux. Bah voilà. Ça va là, non? Je sens un petit peu qu'il est pas stressé dans le sens que il a peur de ne pas être à la hauteur. Mais là, je suis un peu en stress. Bah, d'habitude, il n'y a pas les parents. Il a peur de décevoir. Et pour gérer son stress, Christophe a un rituel. Il se recoiffe en vidant des bombes entières de lac. Puis quand dans la foulée, il a nettoyé ses lunettes, on peut dire qu'il est fin prêt à affronter la scène et surtout le public. Christophe, on avait déjà eu un échantillon dans la journée. Mais ce soir, il prend de plein fouet l'engouement qu'il suscite, puissance 10. C'est ce public qui l'a élu. Une partie de la victoire de Christophe lui appartient donc. Et en plus, c'est son anniversaire. Merci beaucoup.
Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de gens qui me fêtent mon anniversaire. C'est un truc. Bon. Bon, merci. Alors. Si. Là. C'est énorme. C'est juste énorme. Merci beaucoup. Si vous avez pensé que je ferais un jour un concert pour mon anniversaire. Oh putain! Nadi Voir, qu'est-ce qui s'est passé? Oh merde! Ah là, j'étais au taquet! Oh putain! Mais au taquet comme un malade! Oh putain! Oh c'est bon! Je vais revenir! Non, c'était trop fort là! C'est un truc de mal, j'en tremble! Oh, papa! Depuis 20 ans, ces trucs à la con. Bah 23, voilà. Joyeux anniversaire. Mais Christophe n'aura pas le loisir de fêter son anniversaire plus longtemps. La tournée repart. Elle s'achèvera le 12 août à Bandol, sans un jour de relâche. Ensuite, Christophe s'attellera à une autre tâche, son challenge personnel, oublier le temps d'une soirée, l'écriture et l'enregistrement de son premier album. Et là encore, notre tortue ne le sait pas encore, mais la route sera longue. Christophe va donc désormais se tenir éloigné des feux de la scène et des caméras de télévision à part la nôtre. Son nouveau décor sera l'atmosphère feutrée des studios d'enregistrement avec une foule de questions pour ceux qui attendent cet album. Est-ce que la France est prête à prendre Christophe, le chanteur, et non plus le candidat issu de la télé-réalité ? Quelles sont donc les attentes ? Pour que l'album soit réussi, il faut qu'il soit ce qu'il a été, malgré lui, dans cette émission, pendant toute sa semaine, pointu et populaire. J'aimerais bien qu'il me surprenne dans un registre un peu décalé, quoi. Pour moi, l'album idéal, ce serait un assemblage réussi entre un raffinement pop avec une écriture ludique à la française. En France, on l'a dit, il y a très très peu de gens, à mon avis, qui sont capables de bosser avec Christophe. Depuis la fin de La Nouvelle Star, Christophe a rencontré les auteurs et les compositeurs avec lesquels il rêvait de travailler. Ils ont tous répondu présent. Certains se sont même portés candidats, spontanément. Le casting des artistes avec lesquels il va fabriquer cet album est à l'image de Christophe, multiregistre et atypique. Mais vont-ils réussir à magnifier le talent de la tortue ? Dans un instant, Christophe va aussi nous ouvrir les portes de son intimité. Bonjour, bienvenue. Welcome. This is my wife. Bonjour. Mon père, de là où je tiens ce petit teint râlé. Nous allons le suivre dans ses délires. Nous allons être contaminés par son enthousiasme et son sens du spectacle en toutes circonstances. Faisons sortir le poil. Mets la bouton pas trop près, ça fait des. Avec lui, nous allons vivre aussi des moments d'émotion. Il nous fera des confidences. J'ai jamais dit je t'aime à quelqu'un. Tout cela, c'est dans la suite d'une tortue nommée Christophe Willem. Il n'y a que lui qui peut faire ça, putain, tant mieux, tout va bien, quoi. Continuons, foirez, ta gueule. Alors, rendez-vous avec la tortue, ce sera juste... Après la pub. Pour
travailler sur son premier album, Christophe a fédéré un casting d'artistes à son image, multi-registre et atypique. Mais quel type de chanson va-t-il choisir? Dans quel registre va-t-il se sentir le plus à l'aise? Ce qui est assez marrant, en fait, sur ce projet d'album, on va pas encore appeler ça un album, on va appeler ça un projet d'album, c'est que justement, il y a un mix de plein de gens vraiment inattendus. On s'attendait pas du tout à ce que je puisse travailler avec des gens comme ça. Et imagine que tu sors d'une machine sur scène avec du fumé et tout, et tu vois, c'est vraiment... ça annonce que t'es là. Première équipe, Gonzalez. Renaud Létang, plus un troisième compère, auteur de cet audacieux titre. Quand j'ai dit à certaines personnes, il y a Philippe Catherine qui m'écrit un titre qui s'appelle La Tortue, il m'a regardé en me disant, mais c'est une blague ou... Et je dis non. Il a gardé son nom, Christophe Willem. Et il a été question qu'il s'appelle La Tortue, non. Si on m'appelle La Tortue, c'est... Quand on sait que c'est écrit par Philippe Catherine, ça prend tout son sens. C'est idéal parce que ça crée des choses... à la fois marrante et super pénible. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, sur l'idée du surnom. Quand je l'ai écouté, j'avais les larmes aux yeux, parce que bon, il donne toujours un côté un peu légèrement Michael Jackson dans son interprétation. Il a une jeunesse dans la voix, c'est comme un soleil qui se lève éternellement. Oui, non, je suis très, très, très fan. Quant à Christophe, il doit se pincer pour réaliser que c'est bien lui qui enregistre son album. J'entends la globalité du morceau, mais je réalise pas que c'est moi qui est en train de participer au morceau. Je n'écoute pas forcément la beauté du truc, j'écoute la technique. Donc je me dis, est-ce que c'est pas faux? Est-ce que là, c'est bien prononcé? Est-ce qu'il y a bonne inflexion dans ce truc-là? Et pour ça, des fois, je refais avant même d'avoir commencé. La tortue n'a donc rien perdu de son perfectionnisme d'antan. Tout doit être parfait, y compris la stabilité des lampes du studio. Et comme le résultat est probant, pour l'instant, tout va bien. La sauce prend bien, on va dire, donc c'est une bonne chose. Maintenant, il faut se concentrer sur la suite, rapport à l'idée qui est de faire un album. Je suis déjà très content de ce que ça donne là. Voilà, pour des maquages, c'est quand même top. J'ai un rôle qui va venir. Donc maintenant, prochaine étape, c'est les autres équipes, parce que là, on a découvert Gonzalez et Renaud Létang. Mais il y a maintenant l'équipe Burgala Le Mercier. L'étape aussi avec Zazie et toute son équipe qui va être aussi intéressante. Donc, suite au prochain épisode. Au revoir, à la prochaine. Là, je vais me coucher parce que je suis un peu, mais comment te dire? Je ne tiens plus trop sur mes jambes. Au revoir. Christophe travaille donc avec trois équipes en parallèle. Il s'en était fait l'écho pendant l'émission. L'un de ses rêves était de collaborer avec Zazie. Depuis plusieurs semaines, ce rêve est devenu une réalité. Zazie et son équipe écrivent et composent des chansons pour Christophe. Aujourd'hui, il se retrouve dans le studio que Zazie a aménagé dans la cave de sa maison. Bonjour. Bonsoir, vous venez pour le casting? C'est ça. Oui, alors il nous faut un plombier zingueur et un tire-bouchonneur de queue de cochon. Vous avez votre CV? Attendez, je me sors. Dès qu'on a commencé à travailler, il m'a appelé maman. Donc... j'appelle beaucoup de gens maman. En fait, maman, ça, quand ça rentre dans le cercle intime, quand les gens que j'aime bien, je les appelle maman, papa. Ça prouvait qu'il était à l'aise ici. Donc, je l'ai appelé mon petit. Bonjour papa, tonton, tout le monde. Bonjour. Bon, t'as tout installé, mon petit. Tout est mis. Ouais. Alors, en fait, c'est par le biais d'Olivier Schultes qu'on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, Olivier, sur l'émission, c'est celui qui coordonne tous les musiciens. Et je lui avais dit un jour comme ça dans l'émission... Tiens, mon petit. J'aime vraiment bien ce que fait Zazie. Et je savais pas vraiment qu'il la connaissait. Et il me dit, oui, bah tu sais, je l'ai déjà rencontré quelques fois, alors qu'il la connaît très très bien. En fait, Olivier Schultes et Zazie sont amis et travaillent ensemble depuis longtemps. Et en fait, à la fin de l'émission, un jour, il m'appelle et il me dit, bah écoute, est-ce que ça te dirait de venir déjeuner avec moi, une copine à moi, la semaine prochaine ou un truc comme ça? Je dis, bah oui, avec plaisir et tout. Et en fait, ben, il m'a dit vite fait, même pas un jour avant, parce que sinon j'allais juste être en panique, que c'était Zazie qui était la personne avec qui on allait manger. On a fait un déjeuner où franchement, il m'a plu humainement. C'est-à-dire que je voyais pas un type qui avait les dents longues et qui voulait rayer le parquet et avoir le monde, quoi. Je voyais juste un type qui dit, c'est pas compliqué, si je n'arrive pas à trouver des chansons qui me plaisent, je vais être obligée de faire un autre métier. Et elle m'avait demandé de raconter pas mal de choses de ma vie comme ça, mais de façon vachement...
pudique. Alors, je sais pas comment expliquer le truc, mais vraiment pas à vouloir s'immiscer dans le truc, mais simplement essayer de percevoir ce qu'elle sentait. Et pour le coup, ben voilà, 2-3 jours après, j'arrive pour écouter le titre, et c'était juste, voilà, c'était les mots que j'aurais voulu moi écrire si j'avais su écrire quand même. Donc c'était vraiment énorme. Je suis un oiseau qui est tombé de haut. Je traîne. C'est assez incroyable de se dire qu'on vient d'une émission de télé, qu'un an on faisait rien, et qu'on se retrouve juste à travailler avec la personne qu'on admire artistiquement parlant. Perdu l'innocence des jours passés. Moi, j'essaie toujours de me mettre à sa place en me disant qu'est-ce que ce type-là a envie de défendre, qu'est-ce qu'il a envie de dire, pour les textes par exemple. Je ne vais pas lui faire des textes adultes comme moi je fais. Voilà, j'ai 42 ans, il en a 23, donc c'est forcément pas, je vais pas aborder les mêmes thèmes. C'est d'autant plus rigolo aussi de pouvoir, je dirais, se remettre parfois dans la peau d'un petit gars qui est comme ça, zébulonesque au possible. Reste une mélancolie cachée sous mon manteau de pluie. Si je perds le nord, mais si je les ai mérités, mes ailes, je ne les ai pas volées. J'ai tout fait comme tu m'as dit, mais le rêve s'épanouit. Chaque dit court, chaque dit vol, mais pas le jour où je décolle. Chaque dit court, chaque dit aime. J'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Chaque dit marche, chaque dit rêve. Me fais ton marche que j'en crève. Chaque dit serre, je pars. Merde, putain. Non, Jacques dit des choses, mais pas, il dit pas, Jacques a dit putain. Il est différent, Christophe, clairement. Il n'a pas un physique de jeune premier, pourtant il est beau. Il a 3 cheveux, et il est pas, c'est pas un athlète de haut niveau, et pourtant il a une énergie considérable. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse d'essayer de l'amener à se dire que tout ce qui est différent chez lui, c'est ça sa force en tant qu'artiste. Jacques ne sait pas ce qu'on... Parce que là, j'hésite à l'envoyer trop tellement j'ai peur que ça soit faux le truc. Mais c'est alors de quoi t'as peur de quoi là, Jacques? C'est juste une caméra qui va nous montrer à des milliers de gens comme tu. C'est ça. Attends, c'est quoi la note? Alors, Jacques ne dit pas tout. Parce que c'est mieux en voix pleine ça. Jacques ne sait pas ce qu'on dit. Tu t'en fous. Jacques ne dit pas. Si tu l'as pas en voix pleine, tu l'as pas en voix pleine. Normalement, il y est quand c'est chauffé. Mais bien sûr, mais alors. Essaye, eh ben, voilà, c'est chauffasse. Chauffe. Et si ça fait Jacques, ne dis pas. On s'en tape, tu vois, c'est une maquette. Hein. C'est la première fois que tu la chantes, donc t'es gentil. Va. Jacques ne dit pas tout. Voilà. Tu la vois celle-là? Elle est très perfectionniste. Et c'est pour ça qu'on s'entend très très bien. Parce qu'elle est super perfectionniste et je suis super perfectionniste, donc j'ai l'impression d'avoir trouvé mon pendant. Non, c'est bon, je pose là. En termes musicaux, c'est assez agréable. On l'a fait 10 fois de suite, si tu veux, quoi. Il n'y a aucun souci, tu vois. T'as un petit peu d'argent sur toi. Ouais, c'est bon. J'ai ramené un caméraman pour vendre la caméra au cas où. Sérieux, appliqué, perfectionniste, depuis le début de la session, notre tortue ne nous avait pas encore offert son quart d'heure de folie. Nous allions y avoir droit avec l'écoute de 2 instrumentaux sur lesquels Zazie n'a plus qu'à écrire des paroles. Quand il vient, qu'il est en studio, y compris sur une chanson improbable qu'il ne connaît pas du tout, immédiatement, il y a cette espèce de...
de figure illuminée qui fait Ask her the one. Et puis d'un coup, là, ça y est, on le perd. On est obligé de le récupérer après. Reviens, reviens, Christophe. Genre, c'est l'hélium, quoi. Voilà. Voilà, c'est là les lumières derrière. T'es, des lumières dans la salle comme ça là. T'as les bras. Et tout. Voilà. Allez les gens. Bah ouais. Ah bah ouais. Oui, il a une espèce de truc qui le tient et qui est vraiment ce que j'aime voir moi chez les gens avec qui je travaille. Et après, crac, ça se réteint. C'est-à-dire une envie, une énergie, une force considérable où il est capable de voilà, on est chaud obligé de lui dire on arrête parce que sinon il serait là jusqu'à je sais pas quelle heure à la maison. Enfin, il faudrait que je vous séquestre. Et comme ça, voilà, en une nuit, on termine tout. Pardon. Tu vois, on met les voix sur tout. Zazie, je mets un couteau sous la gorge, elle me fait tous les textes. Si Christophe est pressé, c'est parce qu'il sait que l'album doit sortir pour le 15 décembre. Mais à cet instant, il n'y a que quelques titres de maquettés. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Bon, ben, on y va, hein. Faire un oublié. Nous sommes ici au cœur de l'atelier création de la troisième équipe qui travaille avec Christophe sur son album, chez le compositeur Bertrand Burgala. Ça fait longtemps que vous le suivez ? Non mais ils en peuvent plus en fait. Le bureau du parolier. Mmh. Et donc en fait Bertrand les enferme jusqu'à temps qu'ils sortent un texte. Rencontrons donc les pauvres auteurs séquestrés. Donc voici Mathias de Bureau. Il a écrit un bouquin sur les gens, si j'ai bien suivi, les récits de voyage. C'est ça. Oui. Tu vois, quand même. De l'art d'ennuyer en racontant ses voyages. Voilà. Donc déjà rien que ça, j'adore. Tu vois, j'adore l'idée. Et c'est vrai que quand la première fois j'ai vu Bertrand, il m'a présenté Mathias et tout. Et Mathias, elle a travaillé sur pas mal de titres. Et donc voilà. Donc en fait, l'équipe, c'est Bertrand, Mathias et Valérie. L'équipe de choc. Et pour que l'équipe soit au complet, bonsoir. On attend d'ailleurs l'arrivée de Valérie Lemercier. Mais pour l'instant, Christophe nous fait découvrir l'une des chansons maquettées par cette troisième équipe. Il s'agit d'un titre écrit par Mathias. Il s'appelle « Élu produit de l'année ». Je suis le locataire d'une gloire éphémère. Élu produit de l'année. Élu produit de l'année. Justement, ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en avant parce que je trouve que justement, pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins marketé, beaucoup moins produit que des trucs qui ont l'air même parfois beaucoup plus underground, beaucoup plus qualité, entre guillemets. Serait le produit de l'année dernière. C'est énorme le texte. Regarde là. Radio Monoprix, c'est son prénom. Les samedis midi, mes sourires offset font déborder votre boîte aux lettres. Cora et Chopi feront de ma vie un produit fini. C'est ça dans l'idée. C'est énorme. J'ai trouvé chez lui une spontanéité, une fraîcheur qu'on trouve pas, y compris dans les trucs un peu pour, je citerai pas de nom, mais dans les trucs un peu pour brancher, un peu grande qualité et de ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Ah. Ouais, troisième. Pourquoi je dis troisième? Mais à chaque fois, mais moi je sais. Valérie. Ah. Non. Maman. Mais attends, je vais dire qu'ils sont très fous. Valérie Lemercier ne sait pas qu'il y a une équipe de télévision. Christophe va la prévenir. Je crois que je me trompe, en fait, je passe par la Madeleine. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la maîtresse de cérémonie des Césars n'est pas très à l'aise en présence d'une caméra. C'est comme si on n'était pas là. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Valérie est venue avec de nouveaux textes et aussi pour enregistrer avec Christophe la maquette d'un duo. Je savais pas que tu partais si tôt. Mais Christophe a très peu de temps. C'est un peu la panique aujourd'hui. Il doit retourner chez Zazie pour enregistrer de nouvelles maquettes. Oui, j'ai amené des feuilles bien propres. Mais regarde, attends, elle bosse bien. Toi, Mathias, ça c'est ordonné. Non, mais c'est parce que j'ai fait des papiers, donc ça fait professionnel. Mais c'est pour masquer le truc pas fini.
J'aimerais bien entendre pourquoi tu t'en vas. Pourquoi tu t'en vas, c'est le nom du duo entre Christophe et Valérie. Pourquoi tu t'en vas, mais j'aime. Je remets. C'est bien la mélodie, hein. Mais j'adore, c'est beau, hein. Ah, vraiment, j'adore. Pourquoi tu t'en vas? Je vais chanter fort. On s'en fout, c'est pas grave. Pourquoi tu t'en vas? Ah oui, c'est à cette hauteur-là. Est-ce que tu t'en fous? Non, je ne m'en fous pas. Et en fait, ça marche, la clarité, pour oui. toi. Mais si tu t'en fous, c'est toi qui es fou. Mais parce que tu t'en fous. J'ai l'impression qu'il peut tout chanter parce que ça sonnera jamais... lourd ou grave, ou on peut être léger avec lui et on peut en même temps dire des. Enfin, je sais pas, comme il a de la distance, je sais pas, c'est assez. Je dis beaucoup de. Moi, je trouve très joli, c'est le mélange, c'est que toi, t'as une voix, du coup, tu chantes plus aiguë que Valérie. Moi, j'ai une voix d'homme et toi, t'as une voix de femme. C'est ça. Ouais, c'est ça on va inverser le truc d'ailleurs, je vais dire les parties de femme et ouais, c'est bien ça. Bah non, alors on a qu'à essayer alors. Mais il est quelle heure? Lui qui se réveille, tu sais. Ouais, c'est bien. Regarde. Ah, le pion. Ça se savait et c'était beau. Il n'y a pas mon truc. Ça se savait et c'était beau. Et encore? En fait, c'est vrai que c'est beau parce que c'est. Pratiquement pas chanté en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, oui, c'est pas la démonstration toi, vocale, tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait encore plus intimiste comme ambiance, c'est vachement joli. Ah, ça va être horrible. Cela ne va pas être torride, mais angoissant pour une nouvelle arrivante, Natacha Lejeune, une amie de Bertrand Burgala. Natacha a écrit un texte sur un morceau que Christophe a composé. Voir s'il valide. Devant notre caméra, Natacha va connaître le verdict de Christophe en live. Mets-toi nu. C'est super joli. Attends. Oh, merci. Non, mais vraiment, attends. Regarde maman. Montre à maman. Valérie aussi a écrit un texte, non? Bah, j'en ai écrit 5 pour avoir un coquin. En même temps, c'est difficile de... Non, de dire le contraire avec quelqu'un. Ah non, mais tu sais, moi, j'ai pas de soucis. Non, quand j'aime pas, je donne. Non, vraiment, je trouve ça super joli. On va essayer avec la musique. Il y a quelques minutes, Christophe et Natacha ne se connaissaient pas. La musique de l'un et le texte de l'autre collent parfaitement. Bah merci. Bah avec plaisir, vraiment avec plaisir. Tu veux que tu prends le texte? Christophe repart avec le texte de la chanson, Chambre avec vue. Le résultat va sans doute l'encourager à composer et proposer d'autres titres qui figureront sur son premier album. Cet album qui doit sortir dans à peine 2 mois. Merci. Du coup, tout le monde a un petit peu la pression. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la réponse, savoir les morceaux qui seront faits. Merde. Hein. 17 octobre 2006. Christophe sort quelques heures des studios d'enregistrement pour participer à l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche, dont Marianne James est l'invitée. Elle a souhaité que Christophe chante en duo avec elle. Au maquillage, Christophe va rencontrer une de ses admiratrices, la comédienne Michèle Bernier. Ça va être dur maintenant, hein. Là, ça va être marrant. D'avoir ton style à toi, ta voix, on connaît et tout ça. Mais surtout, bah, c'est-à-dire d'amener à l'univers, vraiment, parce qu'on ne connaît pas trop ton univers. Bah, j'ai tellement chanté des trucs différents, qu'après, quand t'arrives à un style précis, il y a forcément une partie du beat qui va être déçue. De... Bah, c'est sûr. Ça ne veut pas être une année. Non, ça va. Mais bah, remarque, hein. Si t'as trouvé le bon truc pour rester proche de ceux qui t'aiment, ça va le faire. C'est fou. Si t'es trop éloigné, c'est dans ce que tu racontes. Mais à mon avis, ça va pas poser de problème. Vu la cote que t'as. La cote. Ils vont vouloir savoir. On va être curieux déjà. Voilà, comme ça c'est bien. Là je peux fixer. Voilà.
Ah, mais après, on retouchera vite fait. Oui, je fixe pour. Et puis après, je vais leur chiant. Non, non, mais c'est normal. De savoir ce qu'on veut. De savoir ce qu'on veut. Non, mais vraiment, je suis vraiment en peine de ces choses. Tu chantes avec Marianne, non ? Ouais, ouais, on fait un petit truc. Elle a la guitare, en fait. Voici Marianne et Monsieur Willem. Extérieur, les fans de tous âges sont présents, avec une seule question en tête. Quand l'album va-t-il sortir ? En février. La sortie a été repoussée de 2 mois. Malgré le travail acharné de Christophe, il ne sera pas prêt pour le 15 décembre. L'important, c'est que ce soit prêt. Après l'émission qu'il vient de faire, pas de répit. Christophe se rend maintenant dans le studio d'enregistrement du réalisateur de son album. Là, on emplit sévère. Ce réalisateur, c'est François Delabrière, avec lequel Christophe a également un lien de parenté. Là où papa ? Mon père, de là où je tiens ce petit terrain, allez. Je fais l'acquisition de ce studio il y a à peu près 1 mois. J'en suis content, vraiment. J'ai choisi toutes les couleurs, tout. Et c'est vrai que... on est bien. Si Christophe paraît décontracté, c'est que sa maison de disques lui a donc donné plus de temps pour travailler sur son album. Bonjour Monsieur Swan. Ça va ? Philippe Swan est le directeur artistique de sa maison de disques. Je pense que ce qui est important, c'est pas... c'est l'album en lui-même, c'est le résultat, c'est pas tellement le moment où il sort finalement, tant que ça reste dans des proportions quand même raisonnables. Quel programme, mon cher ami. Alors... En bout de chaîne, il y a donc François Delabrière. Il va avoir la difficile tâche de centraliser et d'harmoniser le son de toutes les chansons enregistrées par Christophe avec les différentes équipes. Il doit aussi lui proposer des chansons composées par des artistes que Christophe n'a jamais rencontrés. Et vous allez comprendre pourquoi les délais de fabrication sont plus longs que prévu. Non, c'est pas possible. Merci l'anglais, simplicité des paroles. I believe in you and me. Bon, c'est vrai que c'est pas transcendantal. C'est bizarre. C'est con, parce que la musique est bien. Christophe sait ce qu'il veut. Enfin, surtout ce qu'il ne veut pas. J'ai l'impression d'être un marchand de tapis, tu sais, qui essaie de te vendre un titre. Mais ils connaissent bien. Oh lui, il est bien. Ah, Philippe chez Sony, ils connaissent bien. Moi, Quand je dis que j'aime pas. Non, mais je te jure, sincère, Philippe, il est d'accord avec moi. Moi, je valide pas. Je pense qu'on a dû écouter une bonne centaine de chansons pour arriver à un demi-album pour l'instant, donc il reste beaucoup de travail. T'es déjà tombé sur des gens si chiants. Ça va, pour l'instant, une seule chanson proposée par François a déclenché l'enthousiasme de Christophe. Un titre en anglais, Kiss the Bride. Sur les morceaux rapides, quand on le voit danser et faire ses trucs sur le disco, c'est là qu'il est brillant. Sa façon de bouger, de se balader, de son sourire et sa voix qui est exceptionnelle. Sauf accident, Kiss the Bride devrait figurer sur l'album. Au revoir. Novembre 2006, Casino de Paris. Christophe participe au concert hommage à Daniel Pearl, un journaliste américain assassiné en 2002 au Pakistan. C'est une façon d'apporter mon soutien
à une fondation comme celle-ci qui essaie de lutter pour le droit en général de tous les journalistes. Donc je trouve ça assez bien. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. On est très très content de vous dire. À bientôt. À tout à l'heure. Quand on regarde Christophe Willem, ah oui, formidable, la nouvelle star, c'est systématiquement, ça a rencontré un réel engouement, enfin, vraiment très très positif, quoi. Bon, c'est quelque part la vedette de ce soir, hein, on peut le dire. Hein. Christophe est attendu par ses fans qui ne l'ont pas vu chanter sur scène depuis près de 3 mois. C'est la première fois qu'il va se produire devant un public, hors du cadre de la nouvelle star. J'essaie de voir comment je vais être, parce que je ne suis plus dans la phase de m'excuser d'être là, comme ça peut être pendant l'émission. Parce que dans la première émission, on m'avait tellement dit, oui, il est le gagnant, il est machin, il est favori, truc, que limite, des fois, j'étais un peu en retenue, parce que j'avais limite peur qu'on se dise, bon, c'est bon, il le sait, après la grosse tête, il se la joue. Et la magie va à nouveau opérer. Même si Christophe a hâte de jouer ses propres chansons en live, il va livrer une époustouflante interprétation de Sonny. À la fin de la chanson, il va jouer avec le public et improviser avec le soutien des 15 musiciens et des choristes une version inédite. Ce soir, Christophe a décidé de saisir l'opportunité pour donner un avant-goût de ce que seront ses propres concerts. Merci. Et là, vous êtes quand même super en forme, là, franchement, hein, sincèrement. Moi, je sais pas si on attend, j'aimerais bien refaire un petit coup avec le public, non? Alors, attention. Po. On est bien. Alors, on est au taquet, vous entendez qu'il dit. On est bien au taquet, là, attention, ça y va. Alors, attention, on va faire une petite version. Tout en version acoustique, alors vas-y. Sunny yesterday my life was filled with rain. Sunday you smile at me and really ease the pain. The darkness are gone and the bright that I hear. But sunny won't shine so sincere. Sunday, you once so true. I love you. Sunday, thank you for the smile on your face. Oh, Sunday, thank you for the fact that flow is grace. You're my spark of a natural spark. You're my sweet.
taquet, je t'en avance. Ah mais j'étais trop avancée, putain, j'aurais pu pas m'arrêter. Christophe a fait le show sur scène et quelques minutes plus tard en coulisses, c'est le feu d'artifice. Christophe nous l'avait dit, ce soir il allait se lâcher. Avec le plébiscite de ce public qui a payé sa place pour venir le voir, on a l'impression que pour la première fois, il prend vraiment son envol. Adieu la tortue de la nouvelle star et bonjour l'artiste Christophe Willem. Mais ça va être ça dans mes concerts. Quand je vais faire des concerts, tout est comme ça, moi, tout est en direct. Quelqu'un qui reste assis sur son siège. Et les gens, c'est ça qu'ils demandent. Tu vois, mais sincèrement, ils sont là, ils voient des artistes un par un, mais ils demandent un truc où on s'éclate, quoi. Non, mais là, c'est énorme. Novembre 2006. Nous n'avons pas vu Christophe depuis près de 3 semaines. Nous l'avons laissé travailler, en toute tranquillité. Durant cette période, plusieurs titres ont été choisis pour figurer sur l'album. Mais malheureusement, on est encore bien loin du compte. C'est un bon quart d'album. Un bon quart demi. Mais il reste un bon quart d'album. Parmi les nouveaux titres potentiels, Safe Text, composé par Zazie et son équipe. Là, ce qui est clair, c'est que dès que je suis ici avec l'équipe de Zazie, j'aime à 200% les titres. C'est-à-dire que c'est même pas possible de quelqu'un me critiquer un de ces titres. Sinon, je pète juste un câble. Juste, c'est parfait, c'est la perfection, ça dit ce que je veux dire, il y a le son que je veux, voilà, tout est parfait. Allez, on est bien, on est bien. C'est Franck, ça, c'est Franck, il sait. Allez, faire, hein. Le ton que t'étais tout à l'heure, en blues maintenant, on transforme. Non, oh, c'est très bon. L'ambiance est potache avant le grand rendez-vous du jour. L'écoute des versions abouties de 2 titres composés par l'équipe de Zazie. Parmi ces 2 titres, le premier single potentiel de l'album. Non. Mais pour l'instant, pour moi, l'évidence, c'est Double Jeu. On peut venir écouter ? À l'état embryonnaire, Double Jeu, c'était ça. Et c'est devenu ça. Double Jeu, ça a l'air de dire, en gros, quand on amène un single, on a toujours l'appréhension de se faire critiquer ou est-ce que c'est le premier extrait d'un album. Et là, en gros, ça dit, bon, en gros, je fais de la musique, point, barre, quoi. En gros, quand je saurai qui je suis, je vous fais signe. Pour l'instant, c'est pas le moment. Occupez-vous de l'album, dites-moi ce qui se passe, ce que vous en pensez. Et voilà, et moi, en tout cas, je kiffe bien. Et Christophe n'est pas le seul qui kiffe bien. Jean-Pierre Pilot, le compositeur du titre, est lui aussi transporté de bonheur. Il a amené une émotion et quelque chose de grave, quelque part, dans ce morceau, qui fait que maintenant, c'est totalement lui, c'est schlac, ça s'est mis en place. Ça, c'est la marque des grands. L'enthousiasme est aussi de mise chez le manager de Christophe. Nickel. Moi, je trouve ça super brillant, quoi. Ça, brillant. Ah, bah, c'est gentil. T'inquiète. C'est cool. Moi, je pense qu'effectivement, c'est off the record, mais double jeu, toi, tu me disais single, ouais. Ah, double jeu, pour moi, double jeu, single, ouais. 8 janvier 2007. Le premier titre pour promouvoir l'album auprès des médias a été choisi. Élu produit de l'année. Aujourd'hui, c'est la dernière étape, le mixage de la chanson. Et le produit de l'année a été composé par l'équipe de Bertrand Burgala. Pas facile. Oui, c'est Christophe. Nous avions découvert ce titre 3 mois plus tôt. Mais à cet instant du processus, Christophe se pose beaucoup de questions sur la façon dont son album va être perçu par le public. Et donc les doutes, ça peut être par exemple sur est-ce que les gens n'ont pas oublié ? Mais c'est des trucs très cons, mais bon, est-ce que les gens n'ont pas oublié ? Ou est-ce que les gens vont bien comprendre le second degré sur certains titres ? Ou est-ce que les gens, mais tout simplement, vont pas être déçus après avoir entendu autant de temps, d'entendre ça ? Christophe a exprimé clairement ses doutes. Pour se rassurer,
il va faire une nouvelle prise de voix. Bon, je vais faire la voix. En fait, à ce stade de l'album, pour tous ceux qui ont plus d'expérience que lui, les doutes, les craintes et les angoisses sont tout à fait naturelles. Quand on est prêt de finir un disque, inconsciemment, on a peur du regard des autres. Et donc, on peut être très destructeur vers la fin du disque, parce qu'inconsciemment, on préférait que ça sorte pas, plutôt que ça sorte et qu'on se ramasse. De tous les salons, les foires et les grandes expositions, souvent imitées, souvent copiées, jamais égalées. Harrods et Walmart ont fait de moi un produit vraiment. Élu produit de l'année, cela peut paraître un tantinet prétentieux, et pourtant, l'idée de départ, elle, ne l'était absolument pas. Il y a des années, Valérie Lemercier m'avait filé un t-shirt avec le logo élu produit de l'année, qui était d'ailleurs pour un truc de pâté pour chien ou un truc, et j'adore ce t-shirt élu produit de l'année. En pensant à lui, je me disais, c'est marrant, il a gagné le pompon là, cette année, et je m'étais dit, c'est une bonne analogie. Simplement faire un clin d'œil d'où je viens, et de simplement dire, je suis bien conscient d'où je viens, et de l'instabilité de ce que ça peut engendrer. Voilà. Le sort du son est désormais scellé. Reste donc maintenant à s'occuper de l'image. C'est à Londres que Christophe Willem et sa maison de disques ont trouvé l'agence de communication qui a planché sur l'aspect visuel de l'album. Et oui, la popularité de Christophe a aussi atteint les bords de la Tamise. Christophe a profité de son passage dans la capitale britannique pour faire un peu de shopping et parfaire son futur look. Ça, c'est pas simple. Là, c'est pas simple du tout. J'étais partie pour acheter des bottes. Je ressors avec tout, sauf des bottes. J'ai toute une armoire, sauf des bottes. C'est pas facile. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu le filmer à l'intérieur des magasins. Moi, Londres, j'adore. Je pense que venir vivre ici. En revanche, Christophe va nous offrir un défilé de mode exclusif à son hôtel. Bienvenue au Turtle Fashion Show. Tac. Bonsoir. Un pantalon slim pour avoir. Alors faut que je me tienne droit. Bonsoir. Attends. Bonsoir. On voit les abdos à travers. Regarde. Bonsoir. C'est sportswear. Bonsoir. Quand je vois un petit footing. Attends, il est très sportif, hein, le pire. Attends, regarde. Quel jour, Marcel. Hey. Tu vois, c'est pas le cas. Bonsoir. Ouais, je suis bon, bien. Bonsoir. Ça. C'est la chambre est faite, ça y est. Le look Christophe est comme l'artiste, unique. Pour les spécialistes, il ne faut pas y toucher. Je pense qu'il a des dissonances dans son look et des vraies fautes de goût, mais qui n'appartiennent qu'à lui et qui justement font toute sa personnalité. C'est limite ringard, mais c'est très drôle, voilà. Je m'amuserai pas à le relooker. Je suis une bombe anatomique. Nord-ouest de Londres. Dans quelques heures, Christophe a donc rendez-vous ici dans un studio pour une séance photo. Pendant toute une journée, il va être devant l'objectif d'un photographe. Au vu de ses doutes sur la façon dont va être perçu ce premier album, cette séance est extrêmement importante pour lui. Mais comme à son habitude, Christophe n'a rien laissé au hasard. C'est même son idée qui va être mise en forme. J'ai une idée de photo. Oh ! Ça peut être pas mal, ça. Au début, c'était un truc très baroque, mais au premier degré du truc. Et moi, l'idée que j'ai amenée, c'est que je suis un personnage qui est enfermé dans une pièce, un peu une pièce un peu stérile, un peu sans fenêtre, tout ça, et que cette pièce se meuble en fonction des titres dans un décor baroque, en fait. Je réalise pas du tout. Je crois que je vais le voir quand je verrai la pochette et l'album mixé, tout ça, mais pour l'instant, c'est comme c'est des trucs indépendants les uns des autres, c'est la musique d'un côté, des photos d'un autre, des interviews d'un autre, tout va se rallier quand tu auras la sortie de l'album, en fait. Sur la pochette de l'album, c'est un truc très... très théâtral, en fait, avec plein de filles derrière, tout ça.
Et après, c'est un genre de store en fait qui est tendu et je relève le store. Donc moi, je suis tout seul dans une pièce. Là, de dos, de face. Alors, the problem is, if I am on the face, you will see my. You know what I mean? I have no abdomino. You know abdomino? Abdo. No? I have no abdo. Tu tournes un degré vers la caméra, mais tu regardes toujours le truc. Non, regarde le poster. Ouais. C'est que des trucs assez barrés, mais qui en fait ne sont pas si barrés que ça quand on le connaît. Et finalement, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que Christophe est satisfait. J'adore. J'adore. C'est énorme ça. C'est énorme. Au sommet. Christophe est doublement au sommet. Souvenez-vous. Alors, je présente ma femme. Ah. Voilà. J'en ai vous la présentez. J'en ai deux, oui. J'en ai une quand je vais en Angleterre. Ouais, il en a pas mal. Une en fait. France. Sa deuxième femme, la voici. My wife. Bonjour. Ça va? So now I live in. No, not in London, but next to London. Windsor Castle. Yeah. And my son called Sunny. Oui. He's 8 years old. Oui. Oui, 11. Je suis jeune. Dis-le en anglais. Oh, pardonnez-moi. Petit peu français. C'est la langue. This is the language of our love. Oh, mon miel. Au-delà de la blague, cette jeune maquilleuse coiffeuse a bien, ô coïncidence, un fils qui s'appelle Sunny. Et aussi, beaucoup d'humour. All you girls out there, keep your hands off. He's mine, okay? Seuls les stylistes du papa de Sunny peuvent lui arracher ses vêtements, mais c'est uniquement pour une question de gain de temps, car Christophe doit rentrer à Paris, où il lui reste encore beaucoup de travail. Oui. Allez. Ciao. L'affaire du jour, la pochette de l'album est donc bouclée. C'est ce visuel qui en ornera la couverture. Le premier opus de Christophe Willem s'appellera Inventaire. Il y aura 16 titres et il sortira le 16 avril. Il est temps maintenant de quitter Londres. Alors que nous passons devant Buckingham Palace, la résidence de la reine, notre prochain rendez-vous avec Christophe est fixé à Paris. Il doit nous faire visiter sa résidence personnelle, un petit peu plus modeste que celle d'Elisabeth d'Angleterre. Bonjour, bienvenue, welcome. Donc entrez, alors l'appart est un peu en travaux, il y a de la peinture un peu partout, il y a un peu de bordel. Alors installez-vous. Donc il y a Philippe, voilà, qui est là. Bonjour. La maman de Philippe. La maman comme Sita. On connaît bien, parce qu'on l'a vu sur le Prime. Hein. Bonjour. Un petit peu de lumière peut-être. Toujours rentrer par la vaisselle ici. Ça y est. Alors, j'ai décidé il y a à peu près, vraiment très longtemps, il y a à peu près une semaine, de faire de la peinture chez moi. Donc j'avais décidé, alors tout était blanc, et j'en avais marre que ce blanc, ça faisait hôpital. Donc j'ai dit, je vais mettre une couleur un peu soutenue, et du coup, voilà le résultat. Moralité, je repeins dans une semaine. C'est sympa, parce que j'ai vraiment que ça fout de mon temps, comme on le sait tous. Et alors en ce moment, je fais de la gym. Et nous allons en avoir la démonstration. Ah là, ça fait vraiment rêver. Hein, parce que quand je le fais, heureusement qu'il n'y a pas de glace chez moi, j'aurais honte. Bassin, j'ai appris un mot, rétroversé. Alors le bassin, en gros, bassin normal, c'est tu t'as à faire ressortir le cul. Rétroversé, tu fais ça. Donc déjà, t'es glam pendant tout le truc. Et ça, en fait, c'est pour éviter de détruire les reins. Ah ouais. Donc tu fais ça. Et alors là, t'es top. Donc t'as des exercices genre comme ça. Et genre tu fais ça. Et pour finir, Christophe nous fait écouter la version définitive mixée d'élu produit de l'année, avec une mise en scène minimaliste dont il a le seul secret. Non mais... Le soir, les choses sérieuses reprennent.
Dans une salle de concert parisienne, c'est en effet la conférence de presse de la Nouvelle Star 2007. Pour la première fois, devant des dizaines de journalistes, il va interpréter une des chansons de son album. Il a choisi Safe Text, en version acoustique, un des titres écrits par l'équipe de Zazie. Je passe à l'orange, te rends. Mais au moment de monter sur scène, envolait l'humeur délirante du show improvisé à la maison. Christophe a les mains moites et la gorge sèche. Tu vas essayer de t'amuser quand même un peu ? Depuis que nous le suivons, depuis le mois d'août, c'est la première fois que nous le voyons dans cet état. Celui que nous prenions tous pour un ovni venu d'une autre planète est donc bien un artiste qui, comme tous les autres, souffre du trac. Voici le moment qu'il attendait depuis 9 mois. Fini les reprises des titres des autres. Pour la première fois, Christophe va chanter devant la presse en acoustique une chanson écrite sur mesure, pour lui, par Zazie et son équipe. Je passe à Laurent. Tant pis, je raccroche. Pas vu, pas pris. Ça y est, je suis libre. Ça vit au fond de ma poche. Cette fois, je décroche. C'est pas le premier extrait, ça s'appelle Safe Text. C'est lui, putain, la chanson elle est classieuse, le texte est classieux, la mélodie elle te rentre dans la tronche et il t'embarque avec cette espèce de soul pop tranquille. Il y a que lui qui peut faire ça, putain, tant mieux, tout va bien quoi. Continue, enfoiré, ta gueule, les fiancés. Je veux dire, si ça sonne pas parmi les. Mais c'est un grand lui. Les futurs grands, j'arrête ce métier. Non, je compte sur toi, hein. Si tu veux mettre au chômage. C'est dans la boîte. Hein. Je suis allé me changer, j'ai quand même chaud moi. Bon, ça va, rassuré. André et Dove ont aimé, Christophe est rassuré. Voyons maintenant sans concession ce que la presse en a pensé. Je continue d'être fan. Mince. Discrètement. Vous avez essayé de. Non, j'aurais bien voulu être désagréable, mais pas très. Ce qui est émouvant là, c'est d'être quasi certain que ce premier titre qu'il a chanté en scène, c'est le début d'une grande histoire. Mais malheureusement, sur la prestation de ce soir, il n'y a pas que des critiques dithyrambiques. C'est un consensus du Carré Saint-Martin.
Tu peux la prendre celle-là? Non, vous chantez un peu trop Canal Saint-Martin. C'est du sous Carla Bruni, revisité par Zazie, c'est une tristesse totale. J'attendais un truc plus punk de la part de Christophe, j'ai trouvé ça un peu convenu. Je suis déçu, peut-être parce que j'en attendais trop aussi. Voilà, une fois qu'on aura écouté l'album, on verra vraiment ce que ça donne. On écoute l'album ensemble et on s'en reparle, d'accord? Avec plaisir. Salut. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Les critiques, justement, Christophe s'y est-il préparé? Mais la première critique négative que tu vas te prendre, ça va te descendre direct. Mais pas du tout. Je me dis, plus on va me critiquer, plus je vais être au taquet. Toi, l'idée? Le lendemain, Christophe va endosser pour quelques heures un nouveau costume, celui de comédien. Un costume dans lequel s'est également glissée une animatrice qu'il connaît bien. Elle est la comédienne principale d'une série qui s'appellera Off Prime. Il s'agit bien sûr de Virginie Efira. Regarde ça, mais la superstar, toujours l'équipe qui suit. Non, mais c'est... Et du coup, quand il y a une caméra, tu m'embrasses plus, tu fais genre... Bah non, mais t'es en train de te faire maquiller, maman. Si tu peux prendre une baffe par ton ami et nous terminer nos maquilles. Off Prime, c'est une série qui porte sur les dessous du show business. C'est une série humoristique réalisée par Bruno Solo et Simon Astier. Et la particularité, c'est que chaque personne joue avec son image et ce qu'elle représente. Et donc avec sa propre identité et beaucoup d'autodérision. Et ce que Christophe a accepté de faire, comme d'autres l'ont fait, Antoine Decaune, Michael Youn. On se sert du personnage public qu'entre guillemets je suis devenu pour intégrer un personnage dedans qui devient complètement parano, schizo, tout ça. Il joue un mec qui se la joue un peu, qui en peut plus des paparazzis qui le suivent partout, des fans en rut. Donc voilà, il joue avec ça. Moi, il sait même plus qui je suis. Quoi. Il fait du travail à prod, c'est ça? Je suis même, je suis l'animatrice. L'animatrice de quoi? Bah, la nouvelle star. Voilà. Ah, enfin, tu sais, l'émission qui fait que tu peux te la péter un peu maintenant. Ah, c'est mon propre rôle, décuplé en même temps. Je me mets pas un bas sur la tête dès que je sors chez moi. Allez, moteur, ma vie. Alors toi, t'es la seule, ouais. Tu veux me pécho, en volant comme ça. Elle est vraiment folle. Ah, mais elle bouffe à tous les râteliers. Si dans l'épisode dans lequel il y joue, Christophe ne sait plus qui est Virginie, il n'est pas indifférent à la comédienne qui joue sa petite sœur. Voici le premier baiser de cinéma de Leonardo Willem. Il embrasse très bien, elle lève très douce, etc. Voilà. Donc toutes les filles, qui, si vous êtes fan de lui, si vous rêvez de l'embrasser, ben, vous avez raison d'en rêver parce qu'il embrasse très bien. Voilà. J'adore. Je pense que le cinéma, ce n'est pas pour moi. En chantant, tu prends moins de risques. À déguster dans quelques semaines sur M6. Ça faisait un peu bisou de bourrin, quand même. Bon, la bonne continuation. Au revoir. Salut. Merci à vous. Alors, la descente est un peu périlleuse. C'est le dernier obstacle à moi de rentrer juste. Mars 2007, c'est sur un autre plateau de tournage que l'on retrouve Christophe. La mission du jour, le clip d'élu produit de l'année. Une fois de plus, nous allons découvrir la vie cachée de la tortue. Cette jeune femme qui coiffe Christophe est une coiffeuse de la nouvelle star. Christophe et elle se sont bien connus il y a un an. Hey, l'enfant illégitime de la nouvelle star. Nous on aurait fait vite, hein. En arguant. Bah non, mais il serait des millions. Non, non, c'est sur votre amour. Il a fait tout ce temps-là pour que je la remontre à l'image, parce qu'elle était plus présentable. Là, elle a perdu 47 kilos. Eh oui, Christophe, c'est un peu comme les marins, une femme sur chaque plateau. Bref, la tortue est de bonne humeur. C'est le deuxième et dernier jour de tournage du clip. Et là, au miracle, tout se déroule à merveille. Christophe et le réalisateur sont exactement sur la même longueur d'onde. On y va ? Je pense qu'il est aussi farfelu que moi, en fait. Et que ça fait plaisir parce que j'ai écrit synopsis, tout a fonctionné depuis le début et tout a été validé. Et voilà, on est vraiment, je pense, dans le même univers. Quoi. C'est un peu recréé le décor des plateaux de télé à l'époque des Carpentiers et tout ça, en beaucoup plus kitsch, mais jamais ridicule. Ce qui m'a inspiré, c'est le second degré du texte et la mélodie, les envolées lyriques pour les mouvements de caméra. Et au niveau du synopsis, je me suis surtout basé sur l'effet de second degré. C'est pourquoi il y a tous ces éléments un peu farfelus qui animent le clip. Eh ben, le message, c'est faire ressortir visuellement le texte qui est déjà très fort, mais le sublimer, entre guillemets, pour ceux qui n'auraient pas encore compris le message de la chanson, c'est du second degré. Le tournage s'achève. Pour Christophe, il se résume en deux mots. Ben, très bien, très très bien. Je ne suis pas très fatiguée, mais je ne sais pas si j'ai fini ou pas, en fait.
T'es content? Bah oui. Oui, très très bien. Je suis encore... Bah t'as tout vu que je raconte. Tes impressions? Bah bien, très très bonne impression. J'ai adoré, voilà, très bien. On n'est pas du tout dans le formatage de la télévision. Il a... Moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un à part. Quoi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Non mais sans déconner, il me reste quoi à faire? Prenons les choses dans l'ordre. Ce qu'il faut faire, c'est finir l'album. Pour cela, il va falloir enregistrer les instruments qui vont donner encore plus de relief aux chansons. À ce petit jeu, Bertrand Burgala se révèle être un véritable homme orchestre. Et même les musiciens classiques se mettent au diapason de l'expression favorite de Christophe. Moi aussi, je suis le show taquet, je suis le taquet. Du côté de chez Zazie, on est aussi au taquet. Et en l'absence de Christophe, pour l'ambiance, c'est la maîtresse de cérémonie qui donne l'exemple. Pour les gens observateurs, c'est Jean-Pierre, c'est pas Christophe. Lui, c'est Nicolas Bisman, c'est pas Christophe. Lui, c'est l'ingénieur du son, pas Christophe. Mais là, de l'autre côté, il y a un batteur. C'est pas Christophe. En gros, Christophe est malade. A chopé la pharyngite. C'est pas joli, joli pour un chanteur. Affreux, affreux. Et devant son, il y a l'artiste de sa mort. Ah, voilà. Donc il n'y a pas Christophe, quoi. Fais pas chier, Christophe. En revanche, il y a Franck Sidbon, le pianiste virtuose des primes de la Nouvelle Star, venu lui aussi apporter sa pierre à l'édifice de l'album de Christophe. Et comme ce dernier est malade, on ne va pas se gêner pour dire du mal. C'est assez agréable parce qu'il est tellement enthousiaste. Ouais. C'est ouais. Vraiment un mec. Il est super. C'est un bon gars. Il mène son ouais. Personnalité quand même. Hein. Ouais. Ouais, grosse personnalité. Ouais. Ouais, c'est vraiment, on attend tous. Hein. C'est un album. Cet album que tout le monde attend est désormais terminé. Musique, texte, premier clip, pochette, tout est bouclé. Il ne reste plus à Christophe qu'à le présenter au public. 19 mars 2007. Christophe sans pharyngite va s'aguerrir sur scène avec la tournée Night of the Proms. Ça, je valide. Est-ce qu'il y a des femmes ce soir? Oui. Alors j'arrive. Christophe va chanter les reprises qui ont fait sa gloire, avec en plus pour l'accompagner un orchestre symphonique. Dans la salle, il y a très peu de jeunes. Christophe assure tout de même le spectacle et s'amuse avec son public comme il le faisait lorsqu'il avait 10 ans. Quant au producteur du spectacle, ce n'est autre que celui de Johnny Hallyday. C'est dangereux pour un artiste d'être médiatisé comme il a été médiatisé. Donc derrière, il faut vraiment assurer et... Là, on s'aperçoit sur scène qu'il va assurer, quoi, ça c'est clair. Jean-Claude Camus sera aussi le producteur des futurs concerts solo de Christophe. Ce que je crois pouvoir retenir, c'est qu'il va travailler beaucoup avec le public. J'ai l'impression qu'il va un peu théâtraliser son tour. C'est encore une autre direction. Je crois que ça va pas être un autre genre sur scène, pas connu à ce jour. Et alors que l'album de Christophe n'est même pas encore sorti, il y a déjà une cinquantaine de concerts de prévus à partir de novembre 2007. Paris, c'est 4 jours le Bataclan. Et derrière, au mois de février, en fin de tournée ou en milieu de tournée, je ne sais pas, on va voir un petit peu comment les choses évoluent. On va se retrouver à l'Olympia. Ça aussi, c'est décidé. Les places des 4 premiers concerts de Christophe au Bataclan ont été vendues en une semaine. Mais avant ces concerts au Bataclan et à l'Olympia, le rendez-vous le plus important de Christophe, c'est celui qu'il a donné à 800 privilégiés. Pour la première fois,
il va jouer les titres de son album. Ce rendez-vous ne sera pas dans une des grandes salles prestigieuses que l'on vient d'évoquer. Non, ce sera chez lui, à Deuil-la-Barre, dans la salle des fêtes municipales. Merde ! Là, c'est un peu la lune quand même. On verra ce qui se passe après, mais là, j'hallucine. De ce qu'il y a là, de ce qu'il y a là. Deuil, sa ville, là où il avait été accueilli en héros lors de La Nouvelle Star. De voir Christophe rassembler autant de monde que ça, c'est émouvant, très émouvant, oui. C'était la première fois. Maintenant, je me suis habitué. Donc ce soir, pas de craque. Ce soir, 12 avril 2007, Christophe va donc pour la première fois présenter sur scène, dans sa ville, son album. Tous ceux qui l'ont suivi, soutenu et aimé au cours des 12 derniers mois sont présents. Là, c'est son spectacle. Et moi, j'ai l'impression que là, tout commence à partir d'aujourd'hui, bien que je l'ai suivi depuis un an. Ça va, pas trop stressé, il y a déjà beaucoup de monde un petit peu là, ça commence à... C'est un peu l'effervescence, mais ça va. Ça fait bizarre, ça remue un peu, surtout que c'est dans la vie dans laquelle on a grandi tous les deux, donc c'est vrai que de le voir, ça va me... Je suis tout angoissée, enfin je... Ouais. Et en même temps ravie de le voir quoi, sur scène. Je pense que ça va être un grand moment. Ça va, non, je suis pas très stressée en fait pour l'instant. Pour l'instant. Il a généré un truc tout seul. Pas très balèze, mais mignon. C'est le jour où tu montes ton bébé et tu es tout seul. Bah oui, parce que j'ai fait beaucoup de travail prénatal pour aider tout ça. Et il a tout porté, vraiment, il a fait ouais, ceci, cela, machin, jusqu'à ici. Une histoire humaine géniale. On a rigolé, il y a eu plein de stress, plein de machin, mais c'était vraiment... c'était bien, j'espère qu'il va y avoir une belle conclusion pour tout ça. C'est pas mal, parce que c'est quand même un peu l'aboutissement de tous les mois où on était en studio, enfermé entre nous, et puis là, tout à coup... Ça va ? Je suis pressé. C'est vrai ? Ouais. Quoi, pressé de rentrer sur scène ou dans le film ? Ça fait tout bizarre. Je te jure, c'était bizarre. C'est bizarre de vous voir tous là, c'est super déstabilisant. Non, mais sincèrement, vous avez trop parlé, parce que je m'étais chialé avant de chanter. Tu veux pas ça ? C'est pas bien ça ? C'est impressionnant. C'est même pas du stress, c'est bizarre. C'est très bien de voir. Mais là, particulièrement, quoi. Parce que je ne regrette pas d'avoir soutenu le truc, ça se passe ici. C'est... Je suis à fond. Faites beaucoup de bruit pour Christophe Willem. Christophe va maintenant présenter le fruit de son travail. Cet album auquel il a donné naissance avec ses complices, avec un perfectionnisme, un professionnalisme et une détermination rare pour un garçon de 23 ans. Ce soir, Christophe le sait, il n'a pas le droit de décevoir. C'est pas sur quel pied danser, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour étouffer de tous nos combats la violence pour combler le vide de notre existence. Qu'est-ce qu'on fait? On va lancer quelle chance? On est en vie quand on y pense. Quelle chance? On est en guerre, on s'en balance. Quelle chance? Tout le monde s'aime, se sourit, tout le monde danse. Il n'y a plus qu'à souffrir en silence. Une fois de plus, Christophe va prendre et donner du plaisir sur scène durant les 40 minutes où il chantera 7 titres issus de son premier album. Bonsoir. Je suis
très très heureux que vous soyez tous là ce soir, et particulièrement ici. Ça me fait super plaisir, merci beaucoup. On est à Deuil-la-Barre, donc c'est là où j'ai grandi. C'est ce qui a conduit à ce qui est devant vous aujourd'hui. Ça n'a pas été simple tous les jours. Je suis une bombe anatomique, un mal inévitable au cœur inflammable. Une bombe anatomique. Le lycée, la cour, la maison, la cour, le lycée. Le chemin pour y arriver, le piano pour m'accompagner, tous mes amis pour m'écouter. Après avoir donné un échantillon des différentes collaborations qu'il a eues au cours des 9 derniers mois, Christophe va finir ce premier mini-concert avec le titre qui sera son premier single, Double Jeu. Et à en juger les réactions du public, ce n'est certainement pas la dernière fois que nous l'entendons. Je serai un chien en chambille.
Alors, c'est génial. Elle a faut arrêter au moment, il faut pas tout. La pression évidemment qu'il a dû avoir, ben, il s'en est débarrassé d'une manière super saine sur scène, il est toujours aussi jubilatoire comme si rien n'avait changé pour lui. Donc c'est comme quand vous allez plusieurs fois dans une colo de vacances d'une année sur l'autre, vous avez une amoureuse et puis l'année d'après vous faites comment elle va être et tout, elle n'avait pas vu, vous la retrouvez pareil. Ces bisous, ils ont le même goût, vous voyez ce que je veux dire, ça fait super plaisir. Moi je pense qu'il a transformé l'essai. Je suis intimement persuadée que son album va en surprendre quelques-uns, mais c'est la vraie couleur. Et surtout, c'est un album, il ressemble à personne d'autre. Ce garçon, il ne ressemblera qu'à lui. Et ceux qui tenteront de surfer sur sa vague à lui, ben, ils peuvent s'accrocher parce que ce qu'on a entendu ce soir, c'est pratiquement c'est la perfection vocale ce soir, plus l'aisance. Et c'était l'endroit le plus tip-top à brancher. C'était Deuil là-bas. Et tous les autres qui ont mis des millions avec des décorateurs affolés pour soi-disant accrocher des lustres et des tentures, allez vous faire voir la salle des fêtes de Deuil là-bas. C'est de la balle. Après tout, qu'est-ce que j'ai pour dire? Dove, où est-ce que Dove? Dove est coincé sur le rond-point de Auchan à côté de ton école du... Merde, Dove, si tu nous entends. Ah, Dove. On ne capte pas, Dove. Décale-toi un petit peu à gauche. Et Manu voilà. Ketcher serait sur Melun. D'accord, très bien. Tout va bien, nous sommes à Lille, donc on est vraiment tous en même point. Ici Tokyo, à vous. Voilà. C'est l'histoire de Christophe Willem, un petit garçon différent des autres, devenu un artiste différent des autres. Une histoire où justement le regard des autres n'a pas toujours été le même qu'aujourd'hui. Son premier album raconte cette histoire. Je me dis que les blessures qu'on a plus jeunes, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est quand même la base. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on sait se servir de ces blessures-là pour avancer. Jamais dit je t'aime à quelqu'un. Et me connaissant, je dirais jamais. Et donc, c'est une façon aussi d'évacuer ça en musique. Bon, c'est pas beau ce que je joue. Et oui, la popularité de Christophe a aussi atteint les bords.